on peut reprendre correctement. Et bon, il s'est passé quelques petits trucs. Quoi. Avec une grosse barre bleue. Espérons que... On n'a pas tout cassé. Je crois que... Je vérifie. Est-ce qu'il diminue par contre? Ça diminue. Ok. Ça c'est bien. D'accord, on a réussi à... voilà. Il y a eu Rico, il est venu. Ravitaillement. Fuel. Parfait. Merveilleux. C'est le brave Rico. Au moins... Bon après, il y a un gros truc qui gâche un peu l'écran, mais... Disons, it's ok. Au moins, ça a diminué. Bon, après, on ne voit plus très très bien les choses qui se passent. Donc, le doc, par contre, il va falloir refaire un petit swing. Mais je fais deux soins, je peux, c'est la moitié de mon carburant qui se barre. Au bout d'un moment, bon. Voilà. Qui nous empêchera pas de faire un chargement. Et j'ai l'impression que la charge est... non. Non. Ok. Non. Quoi? On va faire des... qui vont dire c'est pas le vrai jeu, machin... je m'en fiche. Au bout d'un moment, je veux du fun. Si le fun il est mort... Voilà. Mais on va éviter quand même. De faire ceci. Même en vrai, on va peut-être un peu plus taper. T'augmente. Ah, elle augmente quand même. J'ai désactivé pourtant. On va un peu plus attaquer quoi, de tout de même. Ça nous fera des bien gros dégâts. C'est dommage qu'on n'a pas de bail def. Ouais, toi, c'est... Parce qu'on peut soit charger, bon, ce qui va tout nous rebooster, c'est ennuyeux. Meilleur sacré, vas-y.
dans le serpent. Comment tu nous fais? Oui, pas mal. On peut faire les grosses attaques. Piqué. En vrai, ça se trouve, les récup PV et machin, par exemple 70, ça consomme moins, mais ça m'étonnerait. Ouais, on refait l'attaque. Direct. 1000. Elle se rebousse son état, hein. C'est... Comment ça? Elle est sur la fin ou... Ah, faut se régène là, parce que bon... fait 5000, non. Ça tape beaucoup plus vite par contre. 6000. T'as augmenté. Tape. Je trouve même avec ça on va perdre. Au secours. Comment? De quoi? Nani? Mais il y a un problème dans la matrice ou... Si on la tape, ça fait quoi là? Ça fait plus rien. Mais que quoi? Comment ça? Comment ça? Non! J'ai fait n'importe quoi. J'aime bien, je charge, je suis à zéro. Attends, on refait. Je comprends plus rien, on a cassé le jeu.
Ah, y a un truc dans ce combat que j'arrive pas à capter, hein. C'est. D'accord, là. Déjà, y a ça. Défense diminue à chaque fois qu'elle attaque. Et ok. On tape, ça augmente. Et après, d'un coup d'un seul. Comment dire? Ça augmente son éther. Et. Il fait juste de plus en plus mal. Et t'es là, tu vois. Peut-être avec le carvu qu'on avait, c'était pas possible. Surtout qu'on n'a pas eu de régène, quoi. Je suis. Surtout qu'en vrai la charge ça sert pas à grand chose parce que tu récupères quoi, même pas 100, donc en vrai c'est pas ouf ouf. Ouais, mais ça fait pas pour nous. Peut-être le booster. Il y a un truc qui m'échappe totalement par contre. Même des hausses au départ, j'ai eu un peu de mal, après j'ai capté vite. Et ok, c'est bon. Et là. Mais non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Ça sert pas grand chose. Toujours mettre la baballe. Force de guerre augmente. Oh le facto. Cette fois.
Sait-on jamais. Ah non, c'est option que je voulais faire. Le boost, petite erreur de manip. On va peut-être utiliser le baïdé. Pas mal. D'abord, on restaure. Comme ça. Oh, ça c'est bien. Ok. Niveau d'attaque infini. Parfait. On peut mettre la Marx. Espérons. Lui a fait 10 000. Tu. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, pas avec lui. Elle est augmentée, donc là c'est la P2, donc elle est très affaiblie. Dirons-nous. C'est le mythe PV. En fait, ouais, en vrai, on était à ça. Bon. Oh, quelle force. D'accord. Elle a attaqué tellement vite, elle faisait tellement mal. Oh. Oh, c'était pas le plus beau, j'avoue. Ah, très bien alors, second round. Ah, pensez-vous pouvoir me battre cette fois? Comment ça? Quoi? Je pensais que nous t'avions vaincu. Oh, à moins que vous ne puissiez décomposer sa structure atomique, vous n'avez aucune chance. Les attaques normales sont inutiles contre quelqu'un qui a la capacité de se régénérer à l'aide de nanomachines.
secours! La P24! Ah, le moment est venu pour le grand réveil. Ah, j'ai l'impression de me faire déchiqueter. Ah non, est-ce que nous sommes niqués? Cette chose essaye de tous nous absorber. Bon sang, que se passe-t-il? Hein? Eh, serait-ce? Nous sommes Omniguer, non, ce n'est pas ça. Serait-ce la pierre d'Anima? Ah, essaie-t-il d'extraire les pierres d'Anima de nos Omniguer? Deus va absorber nos pierres d'Anima? Oh oh. Que se passe-t-il? Mon Omniguir, il ne bouge plus. Il ne répond-moi plus du tout, comme s'il était mort. Ah, voilà la raison d'être des pierres d'Anima, alignées sur leur animus respectif et retournées à la persona. En réalité, les pierres d'Anima sont l'une des parties qui composent Deus, la forme physique de Dieu. On a vu qu'il y avait Rico, c'est lui qui nous a donné... les recharges. Elles retrouvent leur pouvoir et leur fonction originelle en s'alignant avec leur partenaire prédestiné. Un homme des guerres qui a perdu sa pierre d'anima n'est qu'une simple marionnette à laquelle on a coupé les fils. Un corps sans âme. Oh, et cette fille aussi était destinée à ne faire qu'un avec Dieu. En effet, elle est haïe, mais aussi l'une des composantes de Dieu. Qu'est-ce que vous racontez? En résumé, vous avez contribué à réunir ici toutes les parties de Dieu pour moi. À toutes mes félicitations. Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles. Vous avez cru à la légende de la Genèse, qui parle de la naissance de la civilisation sur cette planète? Mais le ministère et moi-même avons fabriqué ce mythe il y a longtemps pour répondre à nos besoins. Vous mentez, c'est impossible. Ah, les Omnikir, que de tes autres amis sont aussi devenus inopérants. Je parle de tes amis qui ne sont pas ici avec toi. Ils étaient tous des parties de Dieu qui ont été désassemblées par le passé. Mais ils sont une fois de plus tous réunis ici. Oui... Oh, c'est l'heure de la résurrection de Dieu. Mais alors, à quoi cela a-t-il servi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Raptus. Oh, ce n'est que toi. Que fais-tu ici, Car? Qu'en est-il de moi, de mon existence? Quel était son but? Ah, tu n'as été conçu que dans un seul but. Éliminer l'empereur Cain. La volonté de Cain s'était trop rapprochée de celle des humains. Il avait trop de compassion pour eux. Il avait oublié sa mission, la résurrection de Dieu. C'est pourquoi tu as été créé. Tu n'as été conçu que pour supprimer notre principal obstacle. Cain, en tant qu'être vivant originel, il avait un pouvoir absolu. Pour que tu te retournes contre lui, il était nécessaire de concentrer ton esprit sur ce seul point. Mais comme tu étais une forme de vie artificielle, il était mentalement instable. Tu étais mentalement instable. C'est pour ça que nous avons tiré parti de l'existence de fait. La rancœur, c'est la source de ta force. Et tu as superbement excellé en répondant à nos attentes. Mais nous n'avons plus besoin de toi. Tu ne t'en es pas encore rendu compte?
Tu n'es qu'un débris. Ta place est dans une décharge. Pourquoi suis-je né? Attends, quel est le sens de ma vie? Oh, quelle pathétique forme de vie tu es. Tu n'es même pas humain. Bien, qu'allons-nous faire de vous tous à présent? Eh bien, je suppose que ce ne sera pas juste de vous tuer. Ah, vous m'avez si bien servi. Alors, en récompense, je vous permets d'être aussi des sacrifices pour être assimilé à Deus avec cette fille. Reptus! Ouh! Parfait, c'est exactement ce que je voulais, car j'ai été condamné à ne pas pouvoir me donner la mort. Maintenant, tous mes souhaits se sont réalisés grâce à toi. Mia! Allez, qui crève aussi! Oh non! Oh, le con Ramsu jusqu'au bout! Enfin! Désolé pour le retard, nos omnigears sont tombés en panne! Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous de sauver Ellie! Ouais. C'est bon, Ellie! Je vais te faire descendre de là tout de suite! Eh, hey, je t'en prie, tiens bon. Elle a pris mon arme. Oh, pourquoi tu fais ça, Ellie? Ellie? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment avez-vous pu? Oh, ne me dis pas qu'elle a subi un lavage de cerveau! Elle a fait une teinture aussi, c'est incroyable! Ça n'a rien. Oh, ça n'a rien à voir avec un lavage de cerveau. La majeure partie de mon corps est constituée d'une colonne de nanomachines. Non seulement pour la longévité, mais aussi pour s'unir avec la mer. Ne soyez pas surpris. Toutes ces blessures peuvent être soignées très rapidement. S'unir à la mer? Oh, cette fille, Elaïm, est notre mère. Oui, je suis la mère de tous les humains. Ellie! Qu'est-ce que tu racontes? Reprends-toi, Ellie! Vous êtes vraiment loin à la détente? Enfin, je ne peux pas vraiment vous en vouloir. Ainsi soit-il, je vais tout vous expliquer. Deus, celui que vous appelez Dieu, est un système d'invasion interplanétaire qui a été construit il y a très longtemps par des humains d'une autre planète. Il a été conçu comme une arme autonome, pouvant agir de son propre chef pour prendre le contrôle d'une planète ciblée. Et vous devriez le savoir après avoir consulté les registres de Razael. Ça, on savait.
Quoi qu'il en soit, au cours d'un essai, Deus est devenu incontrôlable. Il a libéré son pouvoir et a anéanti une planète entière. Les créateurs de Deus en ont conclu que son pouvoir incommensurable constituait une trop grande menace et ont forcé son arrêt. Afin d'analyser la cause du problème, son noyau a été démantelé et placé sur un vaisseau de transport civil interplanétaire pour y être déposé sur une autre planète. Quand il s'en est rendu compte, le Deus désassemblé résista. Il essaya de s'emparer du vaisseau qui le transportait. Cependant, en dernier recours contre l'invasion de Deus, ses créateurs ont détruit inopinément le vaisseau tout entier, l'envoyant s'écraser sur cette planète. C'est ce qu'on avait vu dans le générique du début. Deus savait qu'il ne réchapperait pas à l'explosion ou à l'impact imminent, alors il a détaché son cœur de sa source d'énergie, le réacteur Zohar. Zohar ? Oui, Zohar. C'est lui qui anime tous les gears de cette planète. C'est le générateur maître qui transmet son énergie au générateur esclave de nos gears. C'est aussi la source de tous les pouvoirs d'éther que les habitants de cette planète utilisent. On l'appelle aussi le système de contrôle de phénomènes. En capturant les déplacements d'énergie causés par la concrétisation de futurs événements potentiels. Le Zohar a la capacité de produire des quantités infinies d'énergie. La source de tous nos pouvoirs d'éther. Ainsi, toute notre énergie proviendrait de ce réacteur. Oui, mais ce n'est pas tout. Le noyau qui a été détaché de Zohar, l'ordinateur biologique Panmoni, s'est écrasé sur cette planète primitive. Il a activé Persona, son programme de survie, qui peut générer de la matière organique. De ce fait, il s'est préparé un système basé sur la génétique pour le jour où Deus serait ressuscité. C'est ainsi qu'ont été créés les premiers humains, l'empereur Cain et les anciens du ministère des gazelles. Est-ce qu'on peut en prendre nous dire que l'empereur et ses salopards de gazelle ont été engendrés par Deus ? Ah, savez-vous pourquoi le ministère des gazelles désirait tant les pierres d'anima et vos corps ? Eh bien, voici la raison. Avant de devenir humain, les corps du ministère faisaient autrefois partie des éléments organiques du circuit principal constituant Deus. Il y avait deux types d'éléments organiques, le type féminin s'appelait Anima, tandis que le type masculin s'appelait Animus. Ils ont également été créés avec la capacité de devenir des armes mobiles contrôlées à distance par Deus, en fusionnant avec des machines. En d'autres termes, les Omnigears que vous utilisez en faisaient partie. Le ministère de type Animus devait fusionner avec leur Anima perdu au moment de la résurrection de Dieu. Mais lors d'une guerre, il y a 500 ans, ils ont perdu leur corps physique. C'est alors qu'ils ont cherché des individus de leur descendance humaine portant leur propre information génétique, le facteur Animus, et ont tenté de se substituer à eux. Tout ça afin de réunir avec leur anima respectif. Ailleurs descendants ? Alors, nous sommes tous... Oui, vous êtes tous des descendants de Cain et du ministère des gazelles. Les humains sont nés de la Persona. Ils ont alors donné naissance à leur tour, puis se sont propagés. Ils ont suivi le programme inscrit dans leurs gènes pour ressusciter un jour le Deus gravement endommagé. Les gens du monde entier ont été créés uniquement pour ressusciter Deus. Oui, mais ce n'est pas seulement pour restaurer son ancien corps. Plus de la moitié de Deus est constituée de parties biologiques. Vous vous souvenez de ces humains mutants ? Ils sont tous destinés à devenir des pièces de rechange pour Deus. Nous les humains, nous sommes des parties de Deus, de Dieu. Oui. Presque chaque être humain est destiné à devenir une partie de Deus. Mais vous êtes différent.
On pourrait dire que vous avez été libéré de ce destin grâce aux altérations génétiques que vous avez subies au fil des générations. Les pièces de rechange pour Deus diminuaient de génération en génération. Par conséquent, Crélian a dû compenser ce manque qui a été comblé par les nanomachines qu'il a créées. De plus, ces nanomachines ont ajouté des fonctions supplémentaires. Deus a donc évolué pour devenir l'arme parfaite. Ellie, Que t'est-il arrivé? Comment sais-tu tout ça? Ah, je suis Mia, la gardienne du temps, la représentante de notre dieu Deus. Ah, je suis née pour guider le peuple vers le chemin de la résurrection Deus. Ah, elle a pris possession du corps d'Ellie, mais non! Parce que l'autre, il l'a buté! Parce que c'était la mère aussi! Oh là là! Oh, c'est ridicule! Mia vient juste de... Ah, ta faculté de compréhension n'est pas très élevée. Le facteur Mia existe chez toutes les femmes. Celle qui transcende les générations, la gardienne des humains. Ah ouais... Quand la précédente meurt, une autre Mia se réveille quelque part. C'est programmé dans l'ADN de toutes les femmes. Qui hérite de ce devoir n'est qu'une question de probabilité. Fait, cette Mia morte là-bas et moi sommes la même existence. Nous faisons toute partie de Deus, les gardiennes des humains. Mettons fin à cette discussion maintenant. Deus s'est réveillé. Je suis l'une des parties qui composent Dieu, Deus. Par conséquent, je dois fusionner avec lui. Ellie, pourquoi fallait-il que ce soit vous? Si Mia fait partie de Deus, pourquoi avoir attendu autant de temps pour la résurrection de Deus? Oh, son réveil est toujours incomplet. Bien qu'elle soit Mia, ce n'est pas la vraie Mia. La vraie Mia? Allons. Allons-y, Crélian. Tout ce qu'il reste à faire est d'éradiquer la civilisation de cette planète et de la restaurer à son stade initial. Alors je pourrais compléter mon unification avec les fragments finaux de Deus, le système de contrôle de phénomène Zohar. Ce réacteur qui est tombé sur cette planète et qui a engendré notre genèse et bientôt notre apocalypse. Éradiquer la civilisation? Dans quel but? Ah, qui sait? Tôt ou tard, les êtres qui ont créé Dieu deviendront un obstacle. C'est pourquoi il faut les éliminer. Je suis programmé ainsi, pour agir de cette façon. Attends, mais comment on fait pour sauver tout ça? Parce que là... Oh, viens. Oh, c'est le moment du réveil de la vraie mère. Je t'en prie, attends, Ellie. Adieu, fait. Tu sens un réveil t'apporter la paix. Ellie. Te laisser submerger par la colère. Oh, c'est temps, attendez! C'est dangereux par ici, sortons d'ici pour le moment.
C'est sûr que sortir d'ici, c'est pas plus dangereux. Parce que bon... Ok. Je sens que c'est le caca. Ok. D'accord.